réduction de la pauvreté. Il en résulte non seulement chez nos partenaires africains, mais aussi dans nos propres structures d'accompagnement au développement, une absence de connaissances pertinentes dans l'existence et la diffusion pourrait faire évoluer nos cadres d'action en matière de promotion et soutien à la redevabilité démocratique. Il ne s'agit pas pour nous d'opposer les évaluations institutionnelles à celles conduites ou impliquant la société civile, mais plutôt d'avoir une vue globale résultant de l'articulation entre approche par le haut et perspective par le bas en matière d'évaluation de la gouvernance. Le MAEB est ici un cas d'école dont nous rappelons au renforcement et à l'extension à tous les pays africains pour une véritable gouvernance de développement. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, vous l'aurez compris, pour la coopération française, de nombreux enjeux majeurs entourent cette rencontre et nous félicitons vivement le BNUL ainsi que ses partenaires, IAG, Cross Africa, Civicus, le Bengale, d'en avoir pris l'initiative. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous attendons les résultats de vos travaux que je souhaite excellents. Je vous remercie de votre attention.